Cette vidéo concerne Robert Kalis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Robert Kalis naît le date de naissance 22 mai 1902 à Nancy, Meurthe et Moselle, et mort le date de 10 novembre 1960 dans cette même ville, est un homme politique français. Biographie: avocat à Nancy à partir de 1925, il se fait connaître en défendant les résistants traduits devant la Cour spéciale pendant l'occupation de la France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Occupation. Juge d'instruction auprès d'un tribunal militaire lors de l'épuration, il redevient avocat pour se lancer dans la lutte politique. Conservateur, il participe avec Pierre-André, homme politique 1903-1983, Pierre-André à la constitution d'un parti local, l'Action républicaine Lorraine, qui cherche à rassembler la jeune génération de la droite locale, qui veut émanciper de la tutelle de Louis Marin, homme politique Louis Marin. Élu conseiller général de Meurthe et Moselle dans le canton de Nancy-Ouest en septembre 1945, il prend la tête de la liste Arles lors de l'élection de la première constituante, qui arrive avec 18,4 des voix en deuxième position devant celle de Marin. Engageant d'abord au groupe de l'Entente républicaine, il rejoint ensuite le Parti républicain de la liberté, Parti républicain de la liberté dès sa création. Député très actif en séance, il met son éloquence d'avocat au service d'interventions très nombreuses sur des sujets divers, mais surtout dans le domaine économique. Et lors de l'élection de la seconde constituante en juin 1946, il est victime d'une entente entre Louis Marin et Pierre-André qui constitue une liste commune sous l'étiquette du LURP, sur laquelle Kalis ne figure troisième position, ce qui malgré les 27,9 des voix obtenues ne lui permet pas d'être réélu isolé au sein de la droite locale. Il n'est pas candidat lors des législatives de novembre. Élu conseiller municipal de Nancy en 1947, il se présente sans succès comme candidat indépendant au sénatorial de 1948. Il conserve cependant